Salut à tous, c'est Nagui. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui est pour les artistes en herbe. Ou ceux qui savent pas dessiner comme moi mais qui adorent. Ceux qui aiment les jeux de plateforme. En gros, c'est pour tout le monde. C'est vraiment un jeu tout public et même pour les tout petits. Et en plus, un jeu gratuit. Il s'agit de Action Painting Pro. Donc, je vous l'ai dit, c'est un jeu de plateforme qui se déroule sur un seul et unique tableau. Mais un tableau qui sera toujours différent. Et quand je dis tableau, je passe pas mes mots, vous allez voir tout de suite. Donc voilà, on se retrouve ici avec un petit bonhomme blanc. Hop, il est tout mignon. Et vous voyez, je suis mort. Et que s'est passé? J'ai fait un dessin. Oui, vous le voyez, j'ai fait un dessin. En fait, le principe de ce jeu est hyper simple. On est donc dans ce tableau et on récupère des items tout simplement pour dessiner. Génial. Je me suis suicidé. Des fois, on voit pas son bonhomme parce que c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais vraiment pas. Mais bon. Voilà, donc vous voyez. Je suis en train de faire un dessin. Bon, là, ça paraît pas génial. Mais des fois, on fait des trucs juste extraordinaires. On se demande quand on fait un truc si beau en faisant presque rien. Donc, je vais essayer de vous montrer les différents items. Alors, ici. Une sorte de pistolet à peinture, j'avais envie de dire, mais il marche pas. Parce que j'ai déjà récupéré un autre pistolet. Voilà, ici le crayon, j'ai perdu, génial. Et voilà, là, ça donne rien du tout, je vous l'accorde. Bon, je vais essayer de faire mieux. Alors, vous voyez, j'ai trois jauges en haut qui se vident progressivement. Ces jauges-là, c'est un peu nos jauges de couleur. La couleur va varier en fonction de ce qu'on ramasse, ce qu'on ramasse pas. Par exemple, je vais ramasser ici un cœur, ça va changer un peu la couleur parce que j'aurai plus de goût dans mon réservoir. Je vais ramasser la lampe, j'aurai plus de bleu. Donc voilà, c'est très simple, c'est un jeu, je vous l'accorde, sur lequel on passerait pas des heures, mais c'est toujours agréable de jouer à ce jeu là, surtout qu'il est gratuit, pourquoi se priver? Donc vous voyez, vraiment quand même plein de choses. Ici c'est un différent mode différent puisque bah, comme vous le voyez ça change et faudra que je vous montre aussi je vais le montrer maintenant. Donc vous voyez, quand je n'ai plus de couleur, les plateformes partent et c'est fini et il nous montre le rendu du dessin à chaque fois. Et je trouve que là par exemple ça donne trop mal. Il y a des tableaux qui sont vendus des millions et il y avait moins que ça, hein. Donc voilà, pourquoi pas vendre le mien des millions aussi. D'ailleurs, je vais le mettre tout de suite sur eBay comme fond d'écran PC à 75 €. Alors ici j'adore, j'ai eu un ventilateur, ce qui fait que partout où je passe ça fait comme un ventilateur, ça souffle un peu. Et je trouve que l'effet que ça renvoie donne juste génial. Regardez là, c'est beau, je trouve ça beau, c'est moche mais c'est beau. C'est un peu, et pourtant ça reste beau. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'il y avait à dire sur ce jeu. Comme vous le voyez, les plateformes bougent à chaque fois. Là, je suis mort. Chaque fois qu'on ramasse un item, les plateformes bougent. Et c'est à nous d'essayer de faire le truc le plus beau possible. Alors voilà, ici, ce cadre là, ça me rajoute un fond. Ça peut être beaucoup de couleurs différentes. Hop. Bon, par contre, ne vous attendez pas à ce que quelqu'un dessine un chien dessus. Ce serait impossible. Voilà, ce mec, respect. Juste un point négatif pour ce jeu. C'est la musique. On se trouve que la musique ne va pas du tout avec le jeu. Mais quand je vous dis
Pas du tout, c'est pas du tout, du tout. Je la supporte pas même. Tantôt que j'avais coupé, j'avais remplacé par d'autres physiques, j'avais mis Aqual vers Vigor. Donc on a pu m'entendre tromper à 7 à 5h54 du matin. Aqual et Barbe. Si les voisins m'ont entendu, je comprends. Voyez, moi je trouve que ce jeu est vraiment poétique. On n'y passerait pas des heures, bien que avant de faire la vidéo, j'y ai passé deux bonnes heures. Et j'ai fait quelques trucs de bien, j'étais assez fier de moi. Hop. Et bon, ça c'est moche. Bien que, si vous regardez un peu avec ça ici, on pourrait croire un chien beau qui se fait tabasser par une canne. Je sais, j'ai une imagination complètement idiote. Et je suis sûr, mais vraiment sûr que des artistes en herbe pourraient faire de beaux trucs là-dessus, mais vraiment. Moi c'est pas le cas parce que je suis nul. Mais par exemple, moi celui que j'aime, je trouve pas trop en dessin. Mais vraiment c'est pas si sûr que je peux faire de magnifique. C'est normal. Je tourne une vidéo. C'est parce que je viens d'entendre mon GSM vibrer. Donc ça veut dire qu'elle m'a envoyé des messages. Bon, je vais vous faire un dernier truc pour la route en espérant que ça donne bien. Et je vais vous laisser parce que c'est pas quelque chose sur lequel on va passer des heures. Donc je voulais juste vous le présenter. Parce que pour un jeu gratuit, moi je trouve ça bien fun. Je trouve qu'avec des amis, ça pourrait être vraiment amusant. Ok. Mais vraiment, pour bien amusant, enfin, ça nous est tranquillement à essayer de faire le truc le plus beau. Je sais qu'il y a des choses plus amusantes comme une partie de Street Fighter ou de FIFA. Enfin, pour certains, parce que moi je suis pas un peu de test. Mais bon, ça change un peu de tous ces bazars. Oh, j'ai réussi à faire un pour Nagui. Ouais, allez. J'ai fini sur ce dessin. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous ai donné envie d'essayer ce jeu. Et si vous l'essayez, n'hésitez pas à m'envoyer tous vos dessins que vous faites, parce que je pourrais les mettre, je sais pas moi, dans mon dossier spécial, où je ferai une vidéo spéciale pour montrer tous les dessins que vous avez fait, tout ce qui est beau, moins beau, juste pour que je voie. Ça me paraît très fort intéressant. Sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, et je vous dis à la prochaine.